Coucou à tous. Alors, j'ai fait une vidéo où je présentais les plumes, les boucles d'oreilles, etc. Mais je me suis dit, il y a quand même besoin de quelques explications. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait maintenant et je vais les porter devant vous. Alors, j'ai bloqué un peu le truc. J'aurais peut-être dû le sortir avant. Voilà. Donc, on a les boucles d'oreilles. Alors, ce sont des perles de bois. Alors, je vais les mettre. Je vais vous montrer comment moi, je porterai ce que j'ai créé. D'accord ? Boucles d'oreilles, je sais pas ce que vous pensez, moi j'adore. Et donc j'ai rajouté ces petites choses et tout. Alors tout ça c'est fait à la main, il y a la presse, toutes les perles de bois, je sais pas si vous imaginez tout ce que c'est. Moi c'est pratique parce que j'ai mes petits machins, mais si vous n'avez pas cette coiffure là avec vos cheveux longs, vous pouvez le faire aussi. Et alors ce qui est intéressant de faire, c'est ça, c'est que voilà, vous pouvez jouer comme ça. Vous voyez, ça vous fait un accessoire et comme ça. Ou alors, vous l'avez comme ça aussi. Là, si vous remarquez, si j'enlève les boucles d'oreilles, voilà, ça me fait l'équivalent de boucles d'oreilles. Et donc, ça fait du coup un accessoire, un bijou. Moi, j'aime bien les bijoux de corps, les bijoux de dos, les bijoux de bras, de jambes, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre en bandeau. Vous n'êtes pas obligé de le placer comme ça. Voilà. Il peut être aussi fait en bandeau. Alors, si c'est fait en bandeau, vous allez l'avoir comme ça. Si vous avez vos cheveux, vous laissez vos cheveux dessus. Et voilà ce que ça donne. Moi, je le porte comme ça parce que j'ai cette coiffure qui me plaît et tout. Alors, voilà. Ça, c'est le plus gros. Vous avez qu'à voir. Moi, je... Franchement, je le bats. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Si, c'est parce que c'est moi qui... Là maintenant, je vais vous en montrer un autre. Alors j'en ai plein en attente aussi. Alors là, regardez-moi celui-ci. Si c'est pas tout joli. Alors pareil. Alors celui-ci est plus petit, donc ça va plus être. Vous pouvez avoir les cheveux longs. Cheveux longs, vous faites deux petites queues comme ça pour avoir accessoirisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, comme il y a pas mal derrière, vous avez vu? Voilà, moi, franchement, les bijoux de corps, je trouve, je suis habillée simplement avec un petit pull, ça prend tout son, tout le côté original, en fait, il y a que ça. Voilà, je vais vous montrer les autres. Alors, les boucles d'oreilles. Alors, en boucle d'oreille, je vais vous les montrer de près et qui bougent. Regardez un peu. En fait, c'est... J'adore. Juste, j'adore. Ça, si vous les connaissez, parce que je l'ai mis ça, durant quelques vidéos. Alors, je supporte pas les métaux. Tous les métaux, je suis allergique à ça. Moi, je ne porte que de l'argent ou de l'or et tout. Alors, j'ai commandé des accroches qui vont être en argent. En argent sterling, c'est-à-dire que c'est du plaqué. Celle-ci, j'ai aucune allergie. Alors là, vous l'avez en vert. Là, vous l'avez, regardez, beaucoup plus gros, en rose. Donc celle-ci, elle est rose. Après, vous avez celle-ci. Il y a énormément de plumes dessus. Si vous aimez les plumes, vous allez adorer ça, c'est sûr. Et alors, il y a les fameuses. Je ne sais pas pourquoi, j'adore les couleurs. Mais j'ai un petit truc pour celle-ci. Regardez. Je les trouve splendides. Franchement. Et c'est super agréable parce que c'est très léger. Vu la grosseur des boucles d'oreilles, si c'était une autre matière que des plumes, ce serait beaucoup trop lourd. Okay. Il y a donc celle-ci avec les bijoux de bois. Perso, ça c'est plus mon truc à moi. Après, vous avez hyper léger les plumes. Alors, je porte souvent moi les plumes. Ce sont les vertes que je porte. Et voilà comment ça se porte. Vous voyez, tout simplement. Et ça, sous vos cheveux longs ou courts, peu importe. Vous avez celui-ci que je trouve super mignon. Qui est attrape-rêve. Vous le portez sur vous, l'attrape-rêve. Et alors, cela, je vais en faire beaucoup parce que j'aime, déjà. Je vous montre le blanc.
pareil, sous vos cheveux. Alors, on les place comme ça, en écart derrière. Et voilà. Chouette. C'est sûr que c'est chouette. Et là, j'en ai fait un autre qui est un peu plus petit, mais qui est original aussi. Avec beaucoup de perles. J'aime bien. J'ai les perles de bois, j'adore. Ah, c'est joli. Mon fameux verre que vous connaissez, celui-ci, ça c'est celui que je porte. Et donc, ça c'est le verre que moi je porte tout le temps. Et d'ailleurs, il est vendu, je le porte que pour les vidéos, hein. Je ne le porte pas en dehors. Mais j'ai commandé énormément de plumes, donc je vais en faire, c'est sûr. Je ne trouve plus le truc que je voulais vous montrer avec. Coupe la fabrique. Et voilà comment moi j'aime porter ça, et je le porte tout le temps comme ça. Alors c'est sûr que avoir un tas de trucs en dessous, ça ferait beaucoup trop riche, mais par exemple la combi pleine couleur avec ça dessus, je trouve que c'est super. Alors imaginez maintenant si vous avez une simple robe droite blanc, noire par exemple, ou blanche. C'est vrai que blanc c'est pas mal aussi. Voilà ce que vous pourriez porter pour changer de look et tout, et franchement je trouve ça super. Il va y avoir énormément de choix et je pense que je vous ferai une vidéo dès que je reçois toutes mes plumes. Je vais les recevoir en même temps que les cheveux normaux. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai fait déjà d'avance, vous voyez. J'ai plus de plumes, c'est la dernière, j'ai tout utilisé. Donc je m'amuse à faire, vous voyez, des petits accessoires. Ça va me servir pour justement les prochains. Alors ce que j'aime avec ce bois là, c'est que c'est un bois, je suppose que c'est du pin, c'est un bois qui est très très léger, il est neutre, il n'y a rien dessus, et c'est ça que j'aime. Et là j'ai carrément fait un mélange, et ça va être un truc de folie le prochain que je vais faire. Alors j'ai préparé les petits, donc ça c'est déjà prêt parce que ça met du temps à enfiler les perles, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, que j'ai fait les plumes et tout ça, je vais attaquer le crochet. Alors c'est un crochet spécial avec une fermeture, certains le connaissent. J'ai commandé de la laine, ça va pas être celle-ci. Celle-ci je vais sans doute l'utiliser pour certains trucs, mais j'ai commandé une qui est assez tricolore. Et je vais essayer d'y inclure des plumes dedans. Je vais voir ce que je peux faire. Ça va être soit des turbans, vous savez, des rubans, des bandeaux assez épais, ou alors des bonnets où il y aura en fait, ce que je veux faire cette année, surtout en hiver, c'est bien sûr les postiches que je fais, tout ça, mais je vous ai montré dans la vidéo que j'en avais déjà énormément et tout. Donc je vais faire quelques essais avec de la laine, je sais pas, inclure des bijoux de bois dedans, inclure des plumes, que ce soit des bijoux pour les cheveux, bonnets, turbans, bandeaux, etc. Mais peut-être aussi le col. Voilà, je vais voir ça. Maintenant, elle est vraiment finie cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous de me suivre. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'y tenez pas, c'est pas grave. Revenez me voir de temps en temps. Merci à tous. Prenez soin de vous.